تفسير سورة الفيل Exégèse de la sourate L'éléphant, qui est mécoise. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine? وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ Et envoyer sur eux des oiseaux par voler. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ Qui leur lançait des pierres d'argile. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ Et il les a rendus semblables à une paille mâchée. As-tu vu la capacité d'Allah? La grandeur de son pouvoir, sa miséricorde envers ses serviteurs, de même que les signes de son unicité et la véracité de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dans ce qu'il a fait avec les gens de l'éléphant qui voulaient détruire sa maison sacrée et causer sa ruine. Pour ce faire, ils mobilisèrent une grande armée, composée de soldats abyssins et yéménites, et ramenèrent avec eux un éléphant pour démolir la Kaaba. Une fois arrivés devant elle, les Arabes furent effrayés à la vue de cette immense armée et quittèrent la Mecque pour aller se réfugier ailleurs. C'est alors qu'Allah envoya contre cette armée des oiseaux par nuées, portant des pierres d'argile dans leur bec avec lesquelles ils les bombardèrent et les réduisirent à l'état d'une paille déchiquetée. Allah épargna donc aux habitants de la Mecque le mal de ces gens-là dont l'histoire est connue et célèbre. Cet événement eut lieu l'année où naquit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Il devint l'un des signes de son apostolat et une des prémices de son message. C'est à Allah que revient donc les louanges et le remerciement. Alhamdulillahi rabbil alamin.